pack anti-gaspi. C'est la révolution! Et vous auriez le monde qu'il y a, mais c'est un truc de fou. Bref, allez. Pack anti-gaspi! De toute façon, je m'en fous. Maintenant, je commande chez eux. Alors, je m'en fous. Hein. Voilà, je vais rester chez moi, hein, tranquille. Bon, alors, blanc de poulet, mais jaune fermier avec peau. Hein? Là, nous avons un brie. Alors, un brie. Du brie, du brie, du brie. Oh, oh, c'est marrant, je voulais en acheter un. Bah, génial. C'est un feuilleté au brie. Oh, c'est génial. Je ne savais pas que c'était, je crois que c'était du fromage. Là, nous avons des gougères. C'est des petites gougères, mais je vais manger ça ce soir. On est combien, là? Oh, j'ai encore quelques jours. J'ai au moins 3-4 jours à les manger. Voilà. Ensuite, mon pack anti-gaspi. Ça, ça doit être mes courses. Hein. Je l'ai commandé, ça. Ouais, ça, c'est dans mes courses. 1,40 €. Oh non. Non, ne me faites pas ça, s'il vous plaît. Ne me mettez pas des pots de malheur. Le malheur de ma vie, c'est des pots comme ça. Je vais le jeter direct. Voilà. Je ne mange plus de pots en verre. Alors, tendre plus les essentiels du goût. Comme ça, j'en ai pour 14 € pour ma semaine, vous voyez? Au lieu de 64 €. Oh là là, tartare au couteau. J'adore parce que les gens n'aiment pas ça. Je vais m'en manger un soir. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ça se mange au couteau. Ça se mange en tartare. Donc moi, ce que je fais, voilà, je les partage en deux et je les mets au congélateur. Un petit sandwich que je vais manger ce soir, qui est encore bon, hein, jusqu'à demain et après-demain, au Cantal, de chez Donna. Vous n'êtes pas prêts, hein? Des boulettes. Alors, des boulettes de boucher façon orientale. J'ai le temps de les manger. J'ai le temps de les manger. Je vais les manger après-demain. Voilà. Des boulettes de boucher façon bouchère orientale sans traitement antibiotique. Pas mal, hein? Mais là, pour l'instant, je ne suis pas mécontente du tout. Hein. Poulet nourri, graines de lin. Je ne connais pas du tout. C'est dommage qu'il n'est pas halal. Je l'aurais donné à ma petite voisine, mais je l'ai donné à mon ex-mari. Voilà, du poulet comme ça. Il a l'air bon ou paprika? Je vais le donner à mon ex-mari, ça. Tout ça pour 14 €. Hein. Natural et sauvage. Ouverture facile, français. C'est du pavé de lieu noir. Du pavé de lieu noir. Waouh, il est beau, hein, regardez. Dis donc, si ça, c'est du lieu noir naturel et sauvage, 100% frais. Waouh. Et par contre, je regarde la date. What is this? Je vois pas la date. Elle doit être mise quelque part. Produit destiné à la cuisson, à consommer. Ah oui, c'est bon. Consommer. Oh, génial. Regardez ça. Un petit morceau avec des pommes de terre. C'est pas fini le pack anti-gaspi. Waouh, je suis trop contente. J'en ai encore. Oh, mais je vais les manger. J'adore trop. J'adore, j'adore, j'adore. J'en mange tous les jours. Oh, ça, c'est quoi? C'est des merguez. Je donne ça à mon ex-mari aussi. Je ne mange pas de merguez. Voilà. C'est belle, hein? C'est pas fini, hein. Nous avons un petit poisson, un dos de cabillaud que je vais congeler. Comme ceci. Tout ça pour 14 €. Hein. Nous avons deux filets de truite que j'adore. Hein. J'adore, franchement, j'adore, j'adore, j'adore. En plus, je ne vous cache pas que là, on est... Ouais, donc je vais pouvoir tout congeler, même si c'est frais encore. Je vais les congeler parce que c'est... Voilà, j'adore. Non, mais regardez. Des filets de truite. C'est quoi ça? Oh, des amandes. Oh, j'ai donné ça à mon ex-mari, il adore aussi. Des amandes. Des fruits de mer, des amandes. Dommage qu'il n'y a pas de crevettes. Ben, je vais lui donner.
Puis moi, je déteste ça, il va manger ça ce soir. Du Bel Air, la crème crue jusqu'au 20 juillet, la crème fraîche. Ensuite, du blanc de poulet. Non, vous avez vu ça, c'est un truc de chou. Du blanc de poulet, voilà. Et encore du blanc de poulet. Moi, je vous dis, hein, s'il faut faire des réserves, j'ai de quoi faire. Hein. Et là, on a quoi? On dirait du magret de canard. On a de l'onglet. Waouh, de l'onglet. Par contre, ça, c'est peut-être sympa à faire avec des petites pommes de terre et à pas congeler. Je vais le manger demain. Et tout ce que je déteste, les yaourts, ben ça va donner, ça va être pour mon ex-mari. Voilà. Et j'ai mes courses, hein, je vais vous montrer. Voilà, tout ça, je vais le donner à mon ex-mari. Et je vais lui donner un poulet que j'ai dans mon congélateur. Donc, je lui donne ça et je lui donne ça. Ah, peut-être j'étais trop vite. J'ai été trop vite. Mais non, t'as pas été trop vite. Mais non. Alors. One, two, three. Moi, quand je vous le dis, hein, c'est dommage qu'ils font que Paris, la région parisienne. Poisson. One, two, three. Faux. Alors ça, par contre, c'est énorme. Faire au rôti, tout ça, il faut que je le mette au congélateur. Ça, par contre, c'est des gougères. Alors, des gougères. Ok. Ça a l'air fourré. Vous avez vu? C'est des gougères à quoi? Avant, je sais pas, la date. Ok. Donc, je vais manger ça ce soir et je vais manger ça. Bon appétit, bien sûr. Je vais me régaler avec une petite salade. Ensuite, bah, tout ça, il faut que je le mette au frais. Bah ouais, il faut que je le mette au congélateur. Oh là là. C'est dommage que mon fils n'est pas là. Vous avez vu les économies qu'on fait? Ça, c'est des sacrées économies, hein, je vous le dis. Hein. Ça a l'air bon, boulette de poulet façon bouchère orientale. J'ai l'impression que c'est fourré. Voilà, le petit sandwich. Et puis, je vais manger le sandwich maintenant, tiens. Et j'ai mes courses, bien sûr. Ça, c'est pour mon ex-mari. Et j'ai mes courses. Aïe. Ce serait bizarre quand même qu'il m'ait mis ça. Normalement, c'est des courses que j'ai prises, ça. Je pense que ça doit être... Ouais, ça, moi. Alors, des tomates, 1,20 €. Moi, je vous dis, elles sont moins chères qu'à Auchan. Ensuite, de la mayonnaise. 1,19 €. Alors, il faut savoir que c'est la seule qui reste. 2,19 €, pardon. C'était la seule qui restait. Il n'y en avait plus. C'est pas celle-là que je prends. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. C'est la Le Sieur mayonnaise douce de colza. Il n'y avait plus de mayonnaise. Apparemment, tout le monde achète de la mayonnaise. Et le petit jouet pour ma fille. 2,40 €. Le petit jouet. Allez! Regardez. Et puis du coca. Alors, contrairement à d'habitude, il y a l'emballage et là, il n'y a pas l'emballage. Alors, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas l'emballage. D'habitude, il y a un emballage. Je regarde les dates, hein, parce que du coup, 2022. Voilà. 2, 4, 6, ouais. Voilà, et j'ai acheté 6 coca. Voilà mes petites courses du jour. Bon, alors, ben, j'attends mon ex-mari pour que je lui donne des trucs, notamment ça, je n'en veux pas, même pas en rêve, même pas en rêve. Voilà, et ce soir, oh, mais je suis trop contente, vous vous rendez compte, j'ai à manger pour plus d'une semaine, là. Donc, la semaine prochaine, normalement, je ne dois pas acheter. J'ai du poisson, j'ai donc la semaine prochaine, je ne ferai pas de course. 14 € tout ce que je vous ai montré, c'est énorme. Ah, mais il faut que j'aille manger tout ça. Même ça, je peux faire ça avec des petites pommes de terre, comme je vous ai dit, avec de la tomate, de la pulpe de tomate, des petites rondelles de citron. Franchement, ça doit être une tuerie. Peut-être des courgettes, mais j'en ai plus de courgettes. Voilà. Eh bien, moi, je suis ravie, ravie.
tout va aller au congélateur. Il faut savoir que les dates, il y a encore 3-4 jours de délai, voire d'autres où il y a plus. Voilà, mais c'est très bien pour moi. Franchement, c'est très bien pour moi. Ça, j'ai bien acheté. C'est moi qui l'ai acheté à 1,40 €. Et ben voilà. J'aime bien la petite souris M. Elle est mignonne. Hein? Alors, chez Aimé, le bien-être du bonheur de nos animaux à quatre pattes passe avant tout. 2,40 € seulement. Vous vous rendez compte? Je l'aurais acheté, j'aurais payé 4-5 €. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis très contente. Je vais essayer de caler tout dans mon congèle. Alors là, je sais pas comment je vais faire. Mon ex-mari vient chercher un gros poulet qui est énorme que j'avais eu de l'autre fois, qu'il avait fait cuire. Puis ce qui est bien, c'est qu'il me ramène les trucs. Il me fait cuire. Il fait cuire pour lui et puis il me donne toujours une part pour moi. C'est gentil. Bon, ben mes amours, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'essentiel du goût. Alors ça, c'est. Je vais peut-être lui donner. C'est français. C'est français, mais je vais peut-être lui donner parce que moi, j'aime bien la viande crue. Et là, j'ai de quoi faire. Hein. Voilà, j'ai de quoi faire. Mon congélateur, il est rempli de packs. Mais comme ils viennent de dire les routiers qu'ils allaient faire la grève le 5 août ou le 15 août, je sais plus, ils vont faire la grève, il n'y aura plus personne dans les magasins, ça va être, il n'y a personne qui va livrer. Donc je me dis, faisons des réserves. Après, je vais faire les conserves. Voilà, là aujourd'hui je fais ça, après je recommande et je ferai les conserves. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous dis I love you, Eschlebadish, te quiero, ti amo. Il n'y a pas de banane. Ben non, il n'y a pas de banane, je ne peux pas téléphoner, il n'y a pas de banane. Ben non, ben tant pis. Allez, je vous aime. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez.